Et tous les jours à 8h55, vous passez un coup de fil à un chef, Sébastien, pour connaître sa recette de l'été. Et nous sommes ce matin en ligne avec Denis Ansaldi. Bonjour. Bonjour Sébastien. Merci d'être avec nous. Vous avez un bistrot à Marseille, le café Beauvau. Quelle est la recette que vous avez envie de partager avec nous ce matin? Alors aujourd'hui, je vais vous préparer mon tartare de dorade, passion agrumes avec des frites de panis. Alors dites-nous comment on peut préparer ça. Alors déjà, il faut préparer les panis la veille. Alors les panis, c'est une spécialité de l'Estac, c'est un petit port de Marseille, à base de farine de pois chiche. Alors c'est différent de la socca niçoise qui elle est plutôt préparée comme une crêpe. Donc là, on va faire des frites. Donc il faut faire bouillir 500 g d'eau avec une cuillère à soupe d'huile d'olive, 2 cuillères à café de sel et une gousse d'ail. Quand le mélange a bouilli hors du feu, il faut enlever la gousse d'ail, incorporer 150 g de farine de pois chiche et touiller, donc mélanger pendant 5 minutes avec un fouet. Attention les bras, il ne faut pas que ça accroche. S'il y a des grumeaux, ce n'est pas grave, un petit coup de mixeur plongeant et on est bon. Quand ce mélange a épaissi, vous versez ça dans un tupperware et vous laissez reposer pendant idéalement 24 heures. D'accord, donc on s'y prend un peu à l'avance. Pour les frites, ouais, il vaut mieux. Donc pour préparer ces frites, après vous découpez donc la plaque en grosses frites et il faut les cuire comme des frites à la friteuse ou dans une poêle d'huile d'olive. Voilà, donc ça, ce sera l'accompagnement du tartare de dorade, qui est un tartare très détox. Vous allez voir pourquoi. Donc il vous faut 4 filets de dorade coupés en dés, le jus d'un citron avec quelques zestes, le jus d'une orange, un fruit de la passion, un peu de gingembre et de curcuma frais haché finement, un peu de coriandre, une tomate coupée en dés, du sel et du poivre. Et l'intérêt, c'est d'assaisonner les filets dorades vraiment au dernier moment, pour éviter que le mélange cuise le poisson et que ça garde son peps. Et là, vous avez une recette sympa. Vous pouvez l'accompagner d'un peu d'ail olive aussi, c'est top. Donc le filet de dorade, au dernier moment, avec ce mélange de différents fruits que vous avez cités, agrumes, fruits de la passion, et ensuite on accompagne avec les frites, mais on mélange tout vraiment au tout dernier moment. Oui, c'est très important. Vous allez avoir une sorte de... Oui, je vous écoute. C'est une entrée que vous servez dans votre bistrot en ce moment? C'est un plat que je sers, tous les jours et qui marche très fort. Voilà, parce qu'en fait, c'est pas du tout gras. Il y a zéro matière grasse dans le tartare de dorade. Voilà, et c'est frais pour l'été. Sain, frais en bouche, et fruité. Merci beaucoup, Denis Ansaldi. Merci à vous. On vous retrouve donc au café Beauvau du côté de Marseille. Bonne journée à vous. Merci beaucoup.